Salut à tous, c'est un Dedai, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Adore. Un jeu dans lequel on va devoir prendre soin de nos compagnons et surtout essayer d'avancer avec eux. Le jeu est franchement très sympa et pour le coup j'avais déjà joué à l'époque où il était en early si je me trompe pas. Et il est maintenant en full release, donc il est maintenant officiellement sorti. Donc franchement plutôt un plaisir d'y rejouer. Juste pas sa cinématique parce que je veux pas trop vous spoiler l'histoire, je veux juste vous montrer du gameplay. Donc voici mon petit personnage. Que je vais pouvoir diriger, vous voyez, avec ma souris. Le but pour moi va être justement d'essayer petit à petit de trouver des nouveaux compagnons. Et ça, vous allez vite comprendre à quoi ça correspond. On y va, vous voyez, je vais pouvoir le capturer. Alors, faut que je maintienne F. Ne me tue pas, s'il te plaît. Faut que je reste dans la zone. Allez, allez, voilà. Donc là, c'est devenu mon compagnon. Il s'appelle Mikra. Je peux maintenant l'envoyer au combat. Par contre, il m'a quand même fait pas mal de dégâts, comme vous pouvez le voir. Donc, j'ai intérêt à faire gaffe. Je peux maintenant envoyer ma créature. Donc là, vous voyez, j'attaque. Hop! Je laisse ma créature attaquer. Je peux la rappeler quand j'ai envie. Je peux également la contrôler. Vous voyez, je peux la contrôler comme ça. Lui dire, bah, va là-bas. Là, regardez, hop, il se bat. Il a réussi à le savater. Et je le rappelle. Le but pour moi va être régulièrement d'envoyer ma créature se battre, de la rappeler, etc., etc., pour éviter qu'elle prenne trop cher. Chaque fois qu'une créature alliée inflige des dégâts, elle charge la capacité spéciale de toutes les autres créatures. Ok, pas de problème. Donc en gros, quand elle fait des dégâts, les capacités sont ok. Ouais, ça j'ai compris, pas de problème. Bon, j'avais par où là? Enfin, un rappel pour continuer. D'accord, ok, c'était écrit sur blanc. Alors les barres vertes, enfin plutôt bleu-vertes, hein, représentent le nombre de créatures que je peux invoquer en simultané. Allez, j'invoque, baston, hop, je te rappelle. Hop, je la rappelle avant qu'elle prenne des dégâts. Hop là, voilà, parfait. Donc là, vous voyez, j'ai pu rappeler ma créature tranquillement. Donc c'est un peu version Pokémon, quoi, dans l'idée. Hein. Si une créature subit une attaque qui devrait la tuer, elle est maudite. Si une créature maudite ne peut pas être soignée, l'adorateur, donc moi-même, absorbe les dégâts avec sa propre vie pour empêcher la mort de la créature. Attention, les créatures sont aussi précieuses que votre vie. Tu m'étonnes, mon pote. Tu m'étonnes. Allons-y. La menu de l'adorateur. Ouais, donc pour l'instant, on est en train un peu de revoir la base de la base. Allez voir Manéa pour utiliser de l'essence. Ok, plus d'infos. Ah, là on y est. Mais je veux mettre mon point de talent. Ok, on n'a plus qu'à continuer. Je vais casser un peu tout ce que je trouve, parce qu'on sait jamais si je peux trouver des choses intéressantes ou non. Là, il y a d'avoir quand même pas mal de monde. Essayons de nous battre gentiment. On esquive. Allez, bastonne-toi, reviens. Voilà, parfait, tu l'as eu. Reviens là, voilà, reviens, ramène-toi. Pap, tu l'achèves, voilà. Donc on pourra en avoir plusieurs, hein. On pourra en avoir plusieurs créatures, bien évidemment. Mais là, pour l'instant, on reprend depuis zéro. Je sais pas si j'irai jusqu'à lancer un display, ça dépendra de vos retours, pour être honnête. Ça dépendra de vos retours. Oula, on a un méga boss. Ok. Enfin, j'ai trouvé Drachnar. Bon, en gros, il va me dérouiller. Il va me dérouiller. Pour parler gentiment, il va me... Voilà, il m'a dérouillé. Et c'est la fin. C'est ce qui nous fait recommencer depuis zéro maintenant. Donc voilà, je suis maintenant revenu. J'ai perdu forcément. Et je suis maintenant revenu ici à l'hôtel des adorateurs. Donc ça nous permet d'avoir notre petit hub. Appelle ça comme tu veux. Ouais, c'est plutôt un hub. On va appeler ça comme ça, ouais. Un petit hub. On a également quoi? Tiens, des artefacts qu'on peut ouvrir. On n'a rien. Parler à la formatrice au nord du village. Ok. Et bah, suivons la petite flèche. Qui devrait, je pense, vous guider. Je peux rentrer dans la maison? Je peux pas rentrer dans la maison. D'accord, faut que j'aille par là. Et on va suivre la flèche. Allons-y. Le jeu est mignon, comme le jeu est mignon comme tout. Manéa, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je m'appelle Lucas. Bref, en gros, lui raconte notre petite vie. Je passe l'histoire parce que je sais que vous voulez voir du gameplay. Et je sais que c'est important pour vous. Obtenir des particules de Gatric pour utiliser. Ouais, d'accord, ok. Tu peux te battre? Oh, nice. Vas-y, baston. C'est tout? Donc, il faut qu'on aille obtenir des particules. Allons-y. Et bah let's go, on repart, y'a plus qu'à. Forêt de Gatardric, et bah allons-y, premier level. Y'a un petit côté roguelike où nos créatures vont devenir, je pense, enfin je crois en tout cas, hein, au fur et à mesure de plus en plus fort, donc ça peut être très sympa. J'avais joué il y a longtemps au jeu, là je redécouvre avec vous, je voulais pas me spoiler. Je voulais pas me spoiler, donc j'ai pas re-regardé, mais il y a d'avoir beaucoup plus de contenu qu'avant, en tout cas, bah j'imagine quand même version finale. Ok, ok.
Même si tu fais pas beaucoup de dégâts, t'es bien gentil, mais par contre t'es rapide. Ça c'est cool. Alors, on peut marcher sur la map, ok, d'accord. On a du cuir, j'obtiens le cuir. Il faut que j'aille là-bas. Allons-y. Ouais, vitesse de déplacement ou endurance. Allez. Déplacement quand même, je pense que c'est important d'être rapide. Carte, allons là-bas. Il faut une clé. Toi. J'aimerais bien essayer de te capturer, mais t'as l'air. De pas être facile. Allez, encore. Et on l'a eu. Parfait. Allez. Par contre, tu nous as stun, c'est un peu chiant. Maintenant, voyons pas alternant entre les deux. Et ça, c'est grave cool. Ça, c'est grave cool. Les PV maximales, on va les augmenter, ce qu'on en a besoin. Poum, voilà, carrément. Une fois qu'on invoque les deux, on est bon. Ouvrir, faut une clé. J'ai pas de clé. Ah, j'ai pas de clé. Oh, le seum, j'ai pas de clé. Y'a quoi ici? Je sais pas ce que c'est. Je pourrais en avoir jusqu'à 4 en même temps. Eh ben, allons-y, on fonce. Je continue. Qu'est-ce qu'on a à proximité? Tac. Ok, super, ça passe. J'avais esquivé, mais c'est pas évident non plus. Vas-y, charge. Bam, on n'en parle plus. Tu reviens. T'attaques. Ah ouais, bah j'avais pas vu qu'il y avait ça. C'est pas grave, reviens. Encore. Bam, c'est fait. La suite, mon pote. La suite. La suite. Ah ouais, t'as pris ta life quand même. Reviens. Hop là. On enchaîne. Hop là! Bam! Pour l'instant, on a des créatures largement assez fortes. Donc, on arrive à gérer. Ça sera pas toujours aussi facile, hein, croyez-moi. On va partir par là-bas. Qu'est-ce qu'on a donc ici? Qu'est-ce qu'on a donc? Ah, bah ça, par contre, c'est un peu embêtant. On esquive. Encore, encore. Parfait. Hop là! Il prend tarif. Allez, ramène-toi, vas-y. Attaque-moi. T'aurais presque pu m'avoir. Hein. Franchement, bien joué. On a des champignons! Récupérons les champignons sauvages. Hop, hop, hop. Je rappelle tout le monde. Par contre, ils ont l'air assez énervés. Ah ouais, ils ont l'air énervés de fou quand même. Hein. C'est peut-être eux que j'aurais dû capturer. Par contre, ils ont l'air assez fragiles quand même dans son ensemble. Ok, on les a dérouillés. En vrai, ça va. On s'en sort plutôt bien. Là, on a du bois aussi. On entre dans le refuge. Ok, donc là, c'est bon. J'ai fini la première mission du coup. Mais les créatures qu'on va pouvoir débloquer au fur et à mesure seront de plus en plus fortes. Et surtout, je crois en tout cas, de plus en plus stylées. Donc autant vous dire que là, on est vraiment qu'au tout début, on a toutes les petites créatures toutes mignonnettes. Mais je pense que sur le long terme, on peut les laisser. Oh, est-ce qu'on peut les laisser là ou pas? Ah, donc je peux le laisser là, par exemple. Je peux le laisser, genre, et si je laisse, ils se baladent tranquille. D'accord, donc ça me fait comme une espèce de petit runch, en fait. Bah, on revient parce qu'en fait, en vrai... J'ai besoin de tout le monde pour être honnête. Donc on revient quand même parce que là c'est la merde. Mais c'est sympa, on peut avoir nos petits runs et tout. Sympa. Alors qu'est-ce que t'as? Très bien, tente à qualifier. Ouais, va voir Belinda. Ok, faut que j'aille voir Belinda. C'est pas qu'elle a les yeux bleus. Oh, Belinda. Elle s'appelle Belinda, mais on va l'appeler Belinda. Je trouve ça cool. Oh, elle fait quoi, Belinda? Avec Lucas, ça va enchanter. Avec le. Impression qu'on est. D'accord, ok. On zappe. Et du coup, tu fais quoi? 5 viandes et d'une pièce d'or. Malheureusement, je n'ai pas les viandes et les pièces d'or. Donc, je pense qu'elle pourrait peut-être me faire de l'équipement, je pense, pour mon bâton. Et bah, on y retourne. Moi, j'ai qu'il n'y a plus qu'à. Come on. Récompense. Cerise, fragment. Moi, il fallait de la viande. Ça va capturer des créatures, ça peut être sympa. Ils me disent qu'il faudrait que j'aille là-bas. Ok, bah, on y va. Donc, on peut choisir dans quelle partie de la forêt on va. Ça, par contre, c'est nice. Alors, 30 PV max, on va les prendre. Toi, t'as l'air assez sympa. Du coup, c'est touche W. Donc, déjà A pour te calmer direct. E pour l'espèce de sabre. Ouais, il a l'air de bien tanker lui, par contre, mine de rien. Après, peut-être que je me trompe, hein, mais il a l'air de pouvoir prendre quand même quelques damages. Ah ouais, je pensais que ça allait faire plus de dégâts que ça, mais voilà un peu déçu. Hop! Ah ouais, il est pas fifou. Hein. Par contre, on peut le réinvoquer assez vite. Mais les... ça empêche qu'il est quand même pas fifou fifou. Ouais, celui-là, on va faire quand même beaucoup plus de dégâts.
On a quoi? Un coffre avec des champignons. J'ai pas la clé! J'ai pas la clé! Bon, c'est pas grave. Tant pis pour la clé. Dommage. Dommage, mais c'est pas grave. Allons-y. La musique est très entraînante aussi. Très sympa. Ok, par toi. Ah ouais, il m'a fait mal, lui. Ok, tu l'as. Voilà, parfait. Ouf, on a réussi à gérer. Bon, déjà, toi, t'es... Ah, je pensais que t'allais... Ah oui, c'est vrai, c'est seulement quand il... C'est son pouvoir spécial, en fait, à lui, d'être... de geler les ennemis. C'est pas toujours le cas. Son pouvoir spécial. Bam! Ok, on rappelle. On esquive. Et on attaque. Il est bien, l'espèce de petit raptor que j'ai, là. Je sais pas comment il s'appelle. Il est vachement sympa, hein. Franchement, j'aime bien. Hein. J'aime beaucoup ce que je vois, hein. Moi, j'achète, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Ok, le petit raptor qui va essayer de nous déglingax. Et bah, pas besoin de t'énerver non plus, regarde. Moi aussi, j'en ai un. Hop là, parfait. Toi, tu vas être stun en plus, comme ça, c'est fait. Il me reste plus qu'à t'achever et on n'en parle plus. Bam! Théoriquement, tu peux l'avoir. Non, même pas, tu l'as pas eu. Dommage. Là, tu l'as eu. On a réussi à esquiver, on est bon. Par contre, mes créatures commencent à prendre des dégâts. Ça, c'est très embêtant pour moi parce que, comme ils l'ont dit au début du jeu, faut vraiment, vraiment, vraiment faire gaffe aux dégâts parce qu'ils ne se healent pas entre les missions. Enfin, entre les missions, si, mais pas en mission, quoi, du moins. Là, on y est. Ok, on l'a. Bam! Oh, la petite viande, on a besoin. Parfait. Par contre, il y a l'air d'avoir du monde, là. Il y a l'air d'avoir quand même pas mal de monde. Ok. Mince. Parfait. Ouh, pas facile, mais on l'a eu. Je pense que ça serait peut-être sympa en vrai de pouvoir. Ah, par contre, mon raptor, il commence à prendre tarif. Mais avoir l'espèce de petit élan là qui permettrait peut-être de pouvoir. C'est bêtement, mais de stun les ennemis, ce serait peut-être pas une mauvaise chose à avoir. Bon, déjà, on retourne au refuge. Je vais pouvoir rendre mon cerf. Alors ça a créé une synergie avec les types pistes. D'accord, donc ok. Et ben on y va. Est-ce que genre si je les laisse entre deux missions orange, est-ce que ça les heal? Je ne sais pas, peut-être, probablement. Franchement, je sais pas. Je découvre vraiment le jeu. Enfin, je redécouvre le jeu. Ok, allez. Belinda, on va te trouver. Dis-moi tout. Ok, j'ai même mis des petits champignons qu'elle a avec. Ah, donc elle fait la cuisine, elle. Je pensais qu'elle allait, améliorer mon bâton, mais en fait, pas du tout. Elle veut pas améliorer mon bâton, quoi. Dommage. Alors, qu'est-ce que t'as? Belinda m'a dit que tu t'étais calmée. Ok. Ok, il est mort. Ouais, ok, d'accord. On s'en fout un peu de l'histoire. Une créature légendaire. Ta-ta-ta-ta. Achat un artefact marchand baldin au sud du village. Ah, peut-être que c'est marchand qui va améliorer mon bâton, alors. Encore, on y va. Dis-moi tout, quoi donc? Salut, attention, restaurateur, on va visiter le magasin. Ah, voilà, je peux acheter des trucs pour mon bâton. Plus vous invoquez de créatures, plus elle cause de dégâts. Ouais, de toute façon, j'ai pas une thune. Ah si, je pourrais acheter un truc. On a quoi? Griffe d'esquive. Après une esquive, la créature capturée Attends. Après une esquive, la créature capturée ensuite inflige 20% de dégâts supplémentaires. D'accord. Ah, je pourrais acheter une clé aussi. Dommage, bah je vais attendre pour économiser pour acheter une clé. Ah non, faut absolument acheter un artefact, j'ai pas le choix. Ok. On va acheter ça, on n'a pas trop le choix parce qu'on n'a pas de thunes. Voilà, c'est pour moi, c'est fait. Peut-être que je mette ça sur mon bâton, non? Bon, tu vas me montrer, j'imagine. Après, j'avoue que les esquives, les dégâts en plus après une esquive, c'est toujours pratique. Hein. Ah, voilà, c'est des sciences de nature pour l'appliquer à votre Micra. Ok. Suivant. Donc là, je vais prendre ma nature, je la mets là-bas, d'accord. Micra sera synergique avec les... Ah, donc on peut faire des featuring. Ok, d'accord. Bon, on va... Alors voilà, en tant que créature, votre Micra peut utiliser attaque précise. Ok, d'accord, je vois. Et si on essaie de créer justement ça? Alors, je vais mettre une synergie là-bas. Attaque précise à 3 d'attaque. Ah ouais, ça coûte toujours plus de dégâts. Ouais, fais ça.
Toi avec Icy, armure gelée, la créature qui attaque une cible gelée en sa fois 1. Ou alors, toucher. Ah ouais, ça fera une zone. Ok, ça fera un sort de zone. Et toi, Mystique, chasse en meute, précision. Ok, bah, let's go, moi ça me va. Ça me va. Battre un loup soir. Et bah, allons-y. Je vous propose ça et après, on pourra peut-être terminer la vidéo là-dessus. Vidéo un peu courte, mais. Je sais que d'autres gens ont dû le couvrir, alors j'ai pas envie de trop de m'attarder dessus. Non pas que j'aime pas le jeu, loin de là, mais c'est que j'ai pas envie de faire du contenu comme les autres. Pas parce que je suis plus original ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a tellement d'autres jeux à montrer que j'ai pas envie de trop m'attarder. Sauf si vraiment le jeu vous plaît, et si ça vous plaît, dans ce cas-là, pourquoi pas revenir dessus de manière plus sérieuse cette fois-ci. Je suis pas contre. Ok. Ah, t'as pris tarif ça, mon pote. Ok, récupère les particules. Ouais, vitesse de déplacement, tout va bien. Tac, bam. Première zone terminée. On enchaîne. Allons par là. Ok, toi j'aurais bien te capturer. Ouais, dommage, je t'ai buté mais j'aurais bien voulu te capturer. Ça m'aurait fait une dernière créature, ça aurait pas été trop. Bam. Encore, encore et encore. Bam, toi aussi, à ton tour. On y est. Vous êtes tous les potes là. Là, là et là. C'est fait. On en parle push. Revenez. Il y a un petit aspect Pokémon où t'envoies tes créatures en vrai, honnêtement. Un aspect Pokémon-like que j'aime bien. Bam! Tu les domptes et tout, ça coule. Là, on y est. Toi, tu vas carrément l'achever. Non, même pas. Je pensais que t'allais l'avoir. La musique est très entraînante également. J'ai eu peur de la mettre trop fort, donc j'ai peut-être mise un peu bas. J'en suis désolé. Si c'est le cas, sachez vraiment que j'en suis désolé. Je rehausserai pour le prochain épisode. Ramène-toi, mon pote. Ok, il va me charger. Il a raté, on y va. Et bam, c'est fait. Ok, c'est nice. Pour l'instant, on s'en sort à la perfection. On n'a même pas été touché, je crois. Ouh, c'est là le Luxar. Oh, stylé par contre. Il est grave stylé, cette créature. J'ai tellement voulu la capturer. Ça aurait été grave stylax. Bam! Ah, j'étais touché, non, même pas. J'ai pas été touché, c'est bon, ça le fait. Hop là! Le petit stun de la famille. Hop, 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 on tape. On tape fort. Ok, il ramène des renforts en plus. Il ramène du renfort, ce qui est pas pour m'arranger, pour être honnête. Allez, tape-le. Voilà. Non, ah, j'ai envoyé à la mort mon pote là. J'ai envoyé à la mort. C'est dommage. Ok, maintenant t'enchaînes. Bam! Il faudra peut-être plus d'endurance, effectivement, ouais. Encore. Ok, il invoque du renfort, encore et toujours. Ah là là, il prend tarif. Il prend tarif, mon espèce de petit raptor, là. Ouais, j'appelle le raptor. C'est pas un raptor, j'en ai bien conscience, mais ok. Non. Ah ouais, le raptor elle est fort. Franchement le raptor elle est grave fort. Ok. Allez, on le ramène. 1, 2, 3. 3 coups. Parfait, tu reviens. Là on enchaîne. Hop. Pour les deux. Esquive. Bute-le. Voilà. C'est fait. On esquive. On balance du lourd. Bam, on l'a eu. Ok, c'était pas facile. Après, c'était pas non plus archi hard, mais c'était technique quand même. Enfin technique, c'est un gros mot en tout cas, c'était sympa. Alors, refuge, allons-y, on a obtenu une cococinelle. Une cococinelle. Dans le mille, mon derrière son, je suis en la colère, nan, nan, d'accord. Ok, bah écoutez, on a pu voir un petit peu ce qu'offrait le jeu. Un mécanisme pour piéger hôtel. Attendez, je vais quand même aller voir avant de partir quand même. C'est vraiment une nouvelle petite découverte qu'on avait déjà faite, mais je voulais le redécouvrir avec vous. Et ça fait du bien de revenir sur le jeu. Activer des mécanismes d'hôtel Drakkar. Ok, donc ça, il faut que je fasse en mission. Bah écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Comme d'hab, je vous encourage à vous abonner. Et il y a aussi également le bouton rejoindre. J'en parle très peu, mais je vais commencer à sortir du contenu exclusif pour le bouton rejoindre. Donc ce sera des vidéos bonus, donc ne vous en faites pas ceux qui ne peuvent pas. Ça sera juste des avantages, comme des vidéos en plus, des vidéos bonus. Peut-être accès à certaines vidéos très attendues. Peut-être une semaine en avance pour ceux qui financent un peu la chaîne, pour ceux qui filent un coup de main.
Donc ça sera tous les niveaux, de niveau écuyer à 2 euros au niveau inquisiteur qui passera peut-être bientôt seigneur de guerre d'ailleurs à 20 euros. Donc vraiment il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir regardé, n'hésitez pas à rejoindre. 2 euros par mois, je pense que ça peut être envisageable pour à peu près tout le monde. Merci beaucoup et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.